Vegangel est une synergie unique de huit sources végétales incroyablement riches en protéines, en fibres, en oméga-3 et également en glucides lents. Vous pouvez utiliser le Vegangel, par exemple le matin, en guise de petit déjeuner, en le mixant avec un yaourt aux fruits, avec une banane, en y ajoutant des fruits de saison. Vous pouvez l'utiliser également en collation, la collation du matin ou la collation de l'après-midi. Vous pouvez l'associer également à votre programme sportif, en l'utilisant avant l'effort physique ou après l'effort physique de façon à améliorer votre récupération. Vous pouvez l'utiliser également dans un programme de contrôle de poids en remplaçant une partie de votre repas du soir par un shake associé par exemple à un yaourt aux fruits, à du lait végétal aromatisé et en y associant eh bien, des légumes. Vous pouvez l'utiliser également si vous êtes senior, puisque en vieillissant, on a tendance à moins manger, alors que les besoins en protéines sont toujours aussi importants pour le système immunitaire, pour la qualité de la peau, pour la masse musculaire. Et donc, le Vegangel, lorsqu'on est senior, c'est une façon simple eh bien, de s'assurer un apport constant et régulier en protéines, mais également en oméga-3 et en fibres. L'utilisation du Vegangel est très très simple. Je vous invite à le shaker avec notre shaker, par exemple avec du lait végétal, avec un yaourt végétal aux fruits. Vous pouvez également le mixer eh bien, avec un yaourt aux fruits, avec une banane pour le rendre beaucoup plus onctueux, en y associant par exemple l'été tous les fruits de saison. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de le laisser reposer 5 bonnes minutes, car nous avons associé à Vegangel eh bien, de la poudre de graines de lin. Et la graine de lin a cette particularité, c'est de contenir une fibre qui a le pouvoir de se gorger d'eau. Et ça va rendre eh bien, votre boisson Vegangel beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus agréable à boire. Le Vegangel, vous pouvez donc l'utiliser le matin, au petit déjeuner, en collation, dans le cadre d'une activité physique, le soir, pour un programme contrôle de poids, si vous êtes senior. Le Vegangel n'est pas un produit qui a été sucré. Il faut savoir que si nous voulions qu'il ait un goût sucré, il aurait fallu apporter à peu près 20-25% de son poids par du sucre. Et notre objectif, vous l'avez compris, ce n'est pas de vous vendre du sucre. Également, nous n'avons pas mis de stevia, parce que le goût de la stevia se rapproche un petit peu de l'anis ou de la réglisse, et tout le monde n'aime pas ce goût-là. Et en fait, ça vous permet eh bien, d'aromatiser votre Vegangel comme vous le souhaitez. Avec un yaourt aux fruits, il y a des yaourts aux fruits des bois, il y a des yaourts végétaux à l'ananas, il y a des yaourts végétaux au coco, il y a des yaourts végétaux à l'abricot. Vous pouvez y associer des fruits d'été, ça va aromatiser et sucrer suffisamment. Vous pouvez y mettre des bananes, bien évidemment, des laits végétaux, chocolat, vanille. Et puis vous pouvez également l'utiliser dans des préparations alimentaires. Par exemple, si vous faites des crêpes, eh bien, vous pouvez ajouter une dosette de Vegangel et ça va augmenter votre apport en protéines pour les crêpes. Si vous faites également des gâteaux, des cakes, eh bien vous pouvez ajouter à la farine une à deux portions de Vegangel et ça vous donnera eh bien, un gâteau beaucoup plus riche en protéines et beaucoup plus riche en fibres. Vous le voyez, vous avez véritablement moyen eh bien, de vous amuser, de prendre du plaisir avec le Vegangel. Si vous avez des recettes, n'hésitez pas à les partager sur notre page Facebook. Et également dans notre groupe communauté client. Et puis régulièrement, nous allons également vous proposer des recettes. Je vous souhaite une bonne dégustation de votre Vegangel.